Ah, Frank Zarib. Ah, mi piu, mi piu. Bonjour à tous, c'est Anne-Hélène. On se retrouve donc avec les Watson. Alors, vous avez eu peur ? Un tout petit peu ? Bon, en tout cas, peut-être pas autant que Thomas. Bon, j'avais très envie de faire une petite intro sur le thème d'Halloween pour l'occasion. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec les Watson ? Eh bien, parce que la fête d'Halloween va avoir lieu chez eux. C'est Thomas qui a proposé au village d'organiser la fête dans son château. Parce que quoi de mieux qu'un château un peu ancien, un peu en ruine, voilà, un peu délabré, avec une atmosphère assez effrayante pour organiser une fête d'Halloween. Sauf que, question organisation, pour l'instant, c'est Rami qui a la charge, qui s'en est beaucoup occupé. Thomas a juste proposé d'organiser cette fête. Et voilà, ça ne fait qu'envenimer les choses entre eux. La relation, vous le voyez, est quasiment au plus bas, en fait. Et je n'ai pas fait grand-chose pour que ça arrive. Je pense que, de prime abord, la relation entre eux doit pas être au beau fixe quand on entre dans le jeu. Et alors, ce qui est d'autant plus génialissime, c'est que c'est arrivé pendant que je tournais le machinima. Thomas a peur d'être trompé. Et il doit parler avec sa moitié et vite, sinon sa relation continuera d'avoir des problèmes jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de les affronter. Je trouve que ça se prête vraiment bien à la situation. Donc je crois qu'on va reprendre la dispute où elle en était. Qu'est-ce que vous en dites ? Voilà, elle lui a fait peur, ça lui a pas fait plaisir. Elle prend ça plutôt à la rigolade, Rami. Elle a pas trop peur, elle, dans le château, contrairement à Thomas qui prend facilement la fuite, vous l'avez vu. Alors, je pense qu'on va, on va pas en rester là. Méchant. Tu vas pas divorcer tout de suite, mais se disputer à propos de l'éducation des enfants. Tiens. Et puis, je pense que... Bon, après, vous irez vous coucher parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Crier des mots interdits. Voilà. Rien ne vaut une petite dispute avant d'aller se coucher. D'ailleurs, ils pourraient faire chambre à part. Il y a tellement de chambres. Mais je pense que, voilà, c'est plutôt le genre à... Ils vont dormir dans le même lit, mais chacun de son côté. Oui. Allez, Rami, tu vas dormir. Et Thomas aussi, parce que tout le monde dort, sinon vous allez réveiller tout le monde. Rachida dort profondément, les jumeaux aussi. Donc, il est peut-être temps d'aller vous coucher aussi. Ouais. Non, non. C'est moi qui ai raison. Alors, qui a gagné la dispute ? Oula, non, Rami, ça l'a vraiment mis en colère. Sans gagnant, ouais, ça m'étonne pas. Alors pendant qu'ils dorment, je vais en profiter pour vous montrer la déco, vite fait, dans la salle de bal. La voici. Alors l'éclairage est prêt, tout est prêt. Pour moi, c'est Rami qui a passé des jours à décorer. Et peut-être que Hugo lui a donné un petit coup de main. Je l'imagine bien lui avoir offert ses citrouilles. Parce que voilà, il en a planté pas mal ces derniers temps. Il les aurait décorées avec Max et puis il les aurait données à Rami. Il serait venu les installer. Donc Rami n'a pas pris de traiteur. C'est elle qui va cuisiner et qui va poser tous les plats. Donc elle va passer la journée demain à cuisiner. Je pense que Hugo va l'aider aussi. Mais bon, en attendant, laissons-les dormir et on se retrouvera au petit matin. Et il pleut. Alors je pourrais tricher, j'ai le 8 sheets, donc il me suffit d'un petit clic droit ici et je change le temps. Mais bon, je fais le choix de garder la météo actuelle. Logiquement, c'est marqué possibilité d'averse. Bon, et bien peut-être que ça va s'améliorer dans la journée, on verra. En tout cas, je vois que tout le monde est déjà pas mal dans le rouge. Les enfants vont aller à l'école. Bon, j'imagine, oui, c'est pas improbable qu'ils soient allés trifouiller dans les bols de bonbons qui ont été installés là. Et ben voilà, tu t'es fait avoir. Il y a des fantômes. Allez, mange ton bonbon et tu vas à l'école. Non, tu vas aller faire pipi et il faudra manger un petit bout. Alors oui, il n'y a que un toilette et je crois... Ouais, voilà. Il y en a à l'étage aussi. Et dans le château original, il y avait en fait des sanitaires, mais c'était vraiment comme un petit couloir dans chaque chambre. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas reproduit parce que c'était vraiment des sanitaires un peu dissimulés dans l'épaisseur des murs. Mais voilà, j'avais pas vraiment la place de le reproduire. Donc j'ai mis ici une autre salle de bain. Ils peuvent venir si jamais il y a quand même deux toilettes. Allez, Rachida, est-ce que ça va ? Tu as faim ? Non, mais il ne faut pas venir manger les bonbons, c'est pas prévu pour vous. Venez grappiller quelque chose dans le frigo, là. Bon sang. Manger un repas rapide. Allez, tout le monde va prendre des céréales, là, ici. Mais pourquoi il y a une poule dans le couloir ? J'ai pas interdit l'accès.
Allez, venez tous prendre des céréales. Et Maïra, tu te réveilles. Ah non, tu vas peut-être aller faire pipi. Ah bah non, envoyé seul. Bon, bah allez. J'ai pas le temps. Écoutez, vous ferez pipi à l'école. Non, peut-être que Maïra, t'as le temps au moins d'aller aux toilettes. Non? Ah bah non, vous allez tous à l'école. Allez, c'est pas très grave. Il faut peut-être aller à l'école. T'as mangé tes céréales. Ah ouais, mince, elle est intolérante. Oh, je lui ai fait manger des céréales, mais en fait... Ah bah voilà, mince. Sonia n'en valait pas la peine. Désolée. Je savais pas que je t'avais mis... Je savais plus que t'étais intolérante au lactose. Désolée, Rachida. Allez, Imran est parti pour l'école. Et puis, la petite Maïra aussi. Du coup, alors... Elle est enjôleuse, Rami. Bon, je vais te laisser aller aux toilettes quand même. Qu'est-ce qu'il fait, Thomas? Oh, bah non, Thomas. Ouais, mais bon, c'est bien le genre, hein. Tu t'énerves, là. Mais c'est... Oh là là. T'es obligé de déverser ta colère sur les jouets des enfants. Non, mais c'est inadmissible, Thomas. Pour la peine, tu sais quoi? Tu vas aller t'occuper du jardin sous la pluie, tiens. Ah mince. Non, on n'a pas besoin d'eau. Non, mais moi, je veux... Tu vas aller entretenir le jardin. Tu peux pas? Désherber. Tu peux pas désherber, déraciner. Pourquoi il peut pas désherber? Thomas est beaucoup trop tendu. Oh là là, bah va aller au moins nettoyer ça. Elle va nettoyer le poulailler. Tu vas disperser la nourriture. Tu vas aller t'occuper de l'extérieur un peu pour la peine, sous la pluie. Voilà. Et pendant ce temps, hop là, Rami. Mais arrêtez avec ces bonbons là. Je vais les enlever sinon. Allez, Rami, tu vas t'habiller déjà. Tu vas peut-être prendre une petite douche. Allez, zou, et tu t'habilles. Hop. Ensuite, il sera temps d'appeler Hugo. Alors, je vais vous montrer rapidement la vue depuis le château. Et peut-être qu'avec ce temps-là, on aperçoit très peu les alentours. Mais regardez, la petite ferme d'Hugo commence à prendre forme. Il est en train de faire quelques travaux depuis le départ de Max sur les conseils de Rami, qui lui a conseillé de plutôt investir la grange pour l'instant et d'en faire une belle dépendance. Donc, c'est ce qu'il fait. Il a du mal, un peu comme moi, à intervenir encore sur la maison de base. Donc, on verra ça dans un prochain épisode. Bon, je pense qu'elle est dans l'organisation, Rami, à fond. Non, les bonbons, tu arrêtes, s'il te plaît. Tu vas venir commencer à préparer des repas. Tu vas cuisiner des choses un peu Halloweenesques. Ah, c'est pas mal les mini hamburgers. Tu vas faire, ça fait, oui, ça fait le petit plat salé. Mais je pense que tu vas vite appeler Hugo parce que là, tu vas être débordé. Puis c'est vraiment du n'importe quoi ici. Oh là là, il y a toutes les assiettes qui ont été posées là. Thomas, tu es bien dehors. Alors, est-ce que tu es un peu moins tendu? Tu vas aller désherber, tout désherber et pulvériser la zone. Allez, t'en as pour un moment à faire tout ça. Allez, notre cher Rami. Est parti en mode cuisine et ils ne se parlent même plus. C'est grâce à moi hein, si Thomas il s'active un peu ce matin parce que sinon il était parti sur son ordinateur. Hein. Alors oui, du coup elle est obligée d'aller faire cuire tout ça ici parce que le four est là. C'est pas pratique. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que je l'ai fait parce qu'effectivement c'était la dure réalité dans ce château. Il n'y avait rien de pratique pour la cuisine. Faudrait que je mette des poubelles un peu partout parce que... Hop, tu termines ce plat et on appelle Hugo. Non, mais tu te sers pas. Oh bah si, vas-y, mange, tu devais avoir faim. Ouais, tout petit peu. Rami, elle est motivée, mais elle a changé de tenue. Ah oui, il faisait peut-être un peu froid. Ah oui. J'ai l'impression que la pluie s'est arrêtée. Vous voyez, des fois, c'est pas la peine de vouloir forcer les choses, hein. Avec la triche, voilà. Je trouve que c'est pas mal quand les choses évoluent d'elles-mêmes. On a les petites poules qui se baladent dans le parc. C'est plutôt très agréable aussi cet environnement. J'avoue que le terrain est très très grand. C'est pas facile de jouer sur des grands terrains, mais ça va. Bon, Hugo, il arrive ou pas? Il arrive. Regardez-le. Il est fatigué, mais qu'est-ce qu'il ferait pas pour sa Rami, hein? Tu es presque. Ouh là là, mais j'ai pas vu avec Thomas, mais c'est de pire en pire, Rami. Ouh là. Allez, Hugo, quelques mètres. Et tu y es. J'ai rajouté une petite déco là sur l'entrée. Je me dis que cette nuit, là, la tombée de la nuit, ça va être plutôt pas mal. Ah oui, d'ailleurs, faut peut-être que je prépare l'événement aussi. On va ajouter un événement. C'est une fête effrayante. Il n'a rien d'autre aujourd'hui. Donc j'ai les objectifs. Ce serait sympa d'essayer de les remplir. Qui est l'hôte? Bon bah c'est Rami et Thomas.
Et puis les invités. Alors j'espère que je vais pouvoir inviter tous ceux que je veux inviter. Voilà, il y aura donc Michael Bell, Raoul Chopra, Michael Galantome, ses parents. Alors, vous demandez peut-être pourquoi elle a les cheveux noirs, c'est qu'en fait pour son déguisement, je lui ai préparé une perruque. Et du coup, il faut que la perruque ait les cheveux noirs. Mais voilà. Qui vient? Ah oui, je voulais inviter aussi Sarah et Simon. Et puis Hugo. Je pense que tout le monde est là. Et alors un traiteur, elle en a pas pris. Par contre, on va prendre un mixologue. Ah mais on va pas prendre ça. Bah je vais recruter n'importe qui. Je sais pas qui va venir, mais moi j'espère que ce sera pas un sim qu'on connaît. Et tout ça va se passer au château, bien sûr, et on va dire que ça commence à 19h. Ça me paraît pas mal. Donc Cécilia ne sera pas présente, hein, elle est en ville, et puis c'est papa non plus. Et Gérard et Sylviane, c'est pas trop leur truc et ils vont plutôt garder ce soir chez eux Imran et Maïra, hein, les enfants, les jumeaux qui ne vont pas être là ce soir. C'est une soirée entre adultes. Bon, Good il y a du boulot, hein. Merci d'être là, Hugo. Est-ce que vous pouvez cuisiner ensemble avec, voilà, avec Hugo? Parfait, bah, enjôleur. J'espère que ça va marcher parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de bugs avec cette interaction de cuisiner ensemble. Alors, est-ce que ça marche? Non, ils sont en train de flirter, hein. T'as peut-être du souci à te faire, effectivement, mon cher Thomas, mais pour l'instant, t'es dehors en train de pulvériser de l'insecticide. Bon, par contre, c'est la cuisine, hein, qu'il faut faire, hein. Il est déjà 14h, hein. Non, je crois qu'il y a un petit bug. Allez, ouvre ce frigo, s'il te plaît, Rami. Non, en ce moment, il y a un gros bug. Ouais, voilà, il reste planté dans le frigo, c'est pas drôle. Donc, on va cuisiner et peut-être qu'on lui demandera de nous rejoindre après. Peut-être que comme ça marche. On peut imaginer qu'ils cuisinent ensemble. Hein. L'école est finie, Rachida est de retour de l'école, elle n'a pas de quoi être fière, son travail est tout juste satisfaisant. Bon, je pense que Rachida, elle était trop en train de penser à la soirée de ce soir, vu que Raoul est invité. Ah, le chef d'établissement a appelé pour me dire que mes performances scolaires n'étaient pas à la hauteur. Si je ne fais pas plus attention, ma moyenne pourrait baisser. Je dois me concentrer. Bon, bah ok, mais c'est pas le propos de cette vidéo. Le lycée, ce sera pour une autre fois. Thomas, t'en es où? Oh, t'es dans la cave, toi. T'as pas peur d'être ici tout seul? T'as faim? Ah ouais, je suis sûre que Thomas, ça pourrait être le genre à venir grappiller ce que Rami est en train de préparer. Vous voyez, il viendrait prendre un petit gâteau, là. Et je pense que Rami pourrait le voir. Oh, qu'est-ce qui se passe? L'animal coq brun envisage de partir bientôt en raison d'un manque de soins. Oh! Alors, attendez, attendez. J'aime pas quand les animaux sont pas bien. Alors, Rachida, est-ce que tu pourrais, au lieu d'être sur ton ordinateur, venir t'occuper de coq brun? Ou alors non, c'est la petite Maïra qui est là. C'est lui, il est où, coq brun? Ah bah parfait. Alors, tu vas t'en occuper, nourrir coq brun, jouer avec coq brun. J'espère que ça va bien se passer. Go! Pendant ce temps, donc, notre petit Thomas, il est en train de manger des gâteaux. Rami l'a vu. Et là, elle va pas être contente du tout. Méchant. Criez sûr. Non, 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 non. Depuis quand tu manges? Je passe toute ma journée à cuisiner et toi, tu viens manger ces gâteaux et tu viens les manger sous mon nez. Non, mais là, Thomas, c'est pas possible. Méchant. Demandez à Thomas quel est son problème. Non, mais le petit aussi. Non, le petit, il range. Attends. Imran, ça me dérange là. T'as qu'à nettoyer. Allez, hop. Je n'ai vraiment pas très envie de te voir en ce moment. Je me sens juste amère à propos de certaines choses. Je finirai par les oublier ou pas. À propos de quoi? C'est plutôt Rami, bon, qui est en plus triste pour le coup. Oh là là. Bon. Allez, on va ranger tout ça au frigo. Bah, finis tes gâteaux, Thomas. Hein. Puis tu vas partir, tu vas aller. Oula, il est très très en colère. Il faut que je fasse attention quand même. Le but, ce serait pas que. Comment tu peux faire? Il faut que tu te calmes un peu. Qu'est-ce qui pourrait te calmer, toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se calmer? Oh, bah, je sais, tu peux aller regarder la télé, tiens, ça va peut-être te calmer. Je pense que Rami. Non, mange pas les hamburgers, Rami. Tu viens de critiquer Thomas parce qu'il mange ce que t'as préparé. Elle le fait pas toi-même. Merci. Oh, vous êtes terrible, hein. Oh non, mais punaise. Bon, allez, il faut vite qu'on reprenne ces biscuits effrayants, là, sinon on n'aura jamais assez de repas pour ce soir. Et je pense qu'ensuite, il sera temps de préparer son costume et de se préparer pour la soirée. Bon, j'ai réussi au terme d'un incroyable effort à ramener tout le monde ici sur la piste de danse. J'ai verrouillé les portes pour que personne ne sorte et j'ai mis les besoins de tout le monde au maximum pour éviter qu'il y ait des pipis intempestifs. Donc je vais vous faire un rapide petit tour des costumes. Je vais faire pause parce que j'ai choisi moi-même leurs costumes.
Alors, vous pouvez voir que Thomas, déjà, il a choisi un thème, donc c'est les pirates. Rami, elle a suivi, mais pas en mode robe, hein. Elle a plutôt suivi dans le thème un peu moussaillon. Voilà. Vous avez Michael Bell qui est tout fraîchement sorti de prison. Enfin voilà, pour le costume. Le couple Scott, ils se sont habillés hein, en noble, époque Louis XV, je dirais. Nous avons, où est-il? Michael Galantome en militaire. Oui, j'ai longtemps hésité avec un costume d'aviateur que je lui avais fait, mais c'est vrai que le look de militaire lui va quand même très bien. Bon, il a une drôle de façon de danser. Ses parents sont en César et Cléopâtre. Enfin voilà, j'imagine que c'est César, hein, mais c'est plus un centurion, un légionnaire, enfin, je ne sais pas trop. Voilà. Et puis nous avons Cléopâtre juste derrière, voilà, avec une belle perruque. Alors tous les deux, j'imagine qu'ils adorent se déguiser, ils adorent les soirées comme ça, c'est leur grand truc. Kim est en fée, je trouve que ça lui va très bien, une petite fée. Vous avez Rachida et Raoul qui sont en costume de lycéens, voilà, un peu déjantés, un peu zombies. Et enfin, notre cher Hugo. Qui n'a pas l'air très content. Alors, je l'imagine bien avoir bidouillé quand j'ai vu ça en fait avec le scotch là et puis la lampe de poche. Je me suis dit, il a récupéré encore une combinaison de GG et il l'a un peu transformé. Il est un chasseur de fantômes. Voilà, c'est un peu l'image que je fais. Je pense que ça vient, c'est plus un truc qui vient avec Strangerville et c'est plus pour les extraterrestres hein, parce qu'on peut le voir derrière avec la soucoupe volante. Mais je trouvais que même ça, les petites décos de Noël raffinées. Pistolet là, ça faisait vraiment le petit costume fabriqué. Voilà. Allez, eh bien, danser. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, je pense que j'ai envie. Alors, je pourrais pas sculpter les citrouilles, mais peut-être qu'on peut discuter des costumes. Et je me dis que Thomas, il pourrait peut-être déjà dire à Bruno que son costume est génial. Complimenter le costume. Voilà, ça, c'est vraiment un costume très sympa. Vous pouvez aller vous servir à boire aussi. Hein. Et je pense que Rami, il faut qu'elle demande des friandises. Tiens, à qui elle pourrait demander des friandises? À Hugo, pour rigoler. Hugo, les pompes. Il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Un petit moment. Voilà, je me dis que je vais contrôler Michael parce que Michael, il pourrait discuter aussi avec Hugo. Partager un secret. Tiens, tu voulais discuter avec Simon? Je pense qu'ils s'entendent bien, oui, avec Simon. Alors, est-ce que Michael aime la danse? Pourquoi pas? Oui, t'as le sourire. Moi, je te mets, je te dis oui, t'aimes la danse. Ah, Rachida. Oui, Rachida, elle a son crush qui est là. Alors, Rachida, est-ce que tu vas réussir à conclure aujourd'hui? Remercier d'être là. En même temps, il y a tes parents qui sont là, mais complimenter l'apparence. J'ai vu que Rachida, elle commençait à avoir un peu d'acné aussi. Oh, Hugo, il a pas l'air content. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ce chapeau, hein. Ça te gratte, c'est ça? Allez, Rami. Viens discuter avec Hugo. Vous allez prendre peut-être une petite portion de gâteau. Ah, se renseigner sur la nourriture, tiens. Oh, bah alors, Michael Bell, il est tout seul là. Il s'ennuie. En fait, je pense que lui, c'est vraiment un vrai solitaire de solitaire. Il aime pas, en fait, quand il y a du monde comme ça. Il s'y fait vraiment pas. Il est bien dans sa cabane, hein, au fond des bois. Pourtant, Kim, elle a des vues sur lui, hein. Oh non, ça se passe mal. Bah mince. Qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être pas vouloir aller trop vite. Peut-être que vous pourriez danser rien que tous les deux. C'est pas trop la musique adaptée, mais c'est pas grave. Allez. En tout cas, Rami, elle n'a pas l'intention du tout de parler à Thomas. Peut-être que Thomas, il pourrait aller prendre des verres. Je le vois bien aller boire et boire et encore boire. Ah si, il est revenu danser finalement. Je pense que c'est vraiment une soirée dansante. Hein. J'aimerais bien pouvoir contrôler Kim, mais est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Avec le MC Command Center, je crois qu'on peut contrôler. Choisir un Sims pour une interaction avec Michael Bell et je peux choisir Kim. Peut-être qu'il pourrait l'inviter quand même. Insulter sans le vouloir, mais c'est horrible. Discuter, complimenter le costume. Alors, ils dansent pas tous les deux, hein. Pourquoi j'arrive pas à les faire danser tous les deux? Allez, Thomas, tu vas reprendre un verre, hein. Boire.
Tu vas te saouler en fait ce soir. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire encore? Effectuer des interactions sociales malicieuses. Oh là là. Il pourrait aller un peu taquiner. Alors, qu'est-ce qu'on a en malicieux? Malice. Effrayer, tiens. Je suis sûre qu'il serait capable d'aller effrayer les autres alors que lui-même il a peur. Oh non, échec de fête effrayante. Bon, c'est trop difficile. Hein. De toute façon, il y a trop de monde. Hein. J'y arrive pas. Ah, vous devez y aller, mais la porte est fermée. Vous ne pouvez pas partir. Tout le monde reste ici. Bon, j'ai encore foiré une fête, mais non, vous ne pouvez pas partir. C'est génial d'avoir bloqué les portes. Vous ne me ferez pas le même coup que pour le mariage de Brett et Brandon. Est-ce que Rami, elle peut danser un slow avec Hugo? J'imagine que ce serait pas un slow. Ah, ils peuvent danser ensemble. Est-ce que danser ensemble, ça va déranger Thomas? Ça pourrait, hein. Ah non, ils sont en train de faire un duel de danse. Oh, bah, regardez. En fait, pourquoi ils regardent tous le mur? Bah écoutez, c'est plutôt compliqué hein, de réaliser une fête ici. Il n'y a plus de musique, si pourtant il y a de la musique. Alors qu'est-ce qu'elle fait Rachida là? Elle danse ou elle danse pas? Bon bah Michael, tu danses? Mais personne n'ose danser en fait, je comprends pas. Bon allez, tant pis, on va porter un toast. Allez, c'était génial cette soirée. Très contente que tout le monde soit venu au château. Allez, je lève mon verre. Et vous venez boire un coup, vous aussi, ou pas? Ah bah oui, vous l'avez récupéré. Et Rami se déhanche. Je crois que Rami a très envie de danser. Elle peut vraiment pas danser avec Hugo. Danser un slow. Allez, avec Hugo. Bon, allez, hein, tant qu'on y est, tout le monde a un petit peu bu. Et non, ça marche pas, je comprends pas. Si? Hugo est là, alors. Ah, ça marche. Oh, oui, ils vont danser un slow. Ça y est, il y a de la place sur la piste de danse. Donc, est-ce que tu peux danser, toi, avec Raoul? Allez, vous pouviez pas tout à l'heure, mais maintenant vous pouvez. Mais voilà! Ah bah c'est bon, en fait, vous dansez pas vraiment un slow. J'adore Thomas, il s'est ramené là. Genre, non, mais en fait, c'est moi qui danse avec Rami, Hugo, je sais pas ce que tu fais là, mais... Ah, je crois que vous avez un petit problème, Rachida et Raoul. Bon, voilà, super les bugs. Thomas, il a trop bu en fait. J'imaginerais bien qu'il se soit rendu complètement ridicule. Du coup, Rami va venir lui dire « Non mais tu peux arrêter s'il te plaît. » Crier des mots interdits à Thomas. Ah oui, c'est le buffet qui vous intéresse. Hein. Mais il n'y a plus grand chose. Hein. Je pense que j'aurais dû mettre une poubelle ici. Ouais, parce que ça va être un peu l'horreur. Allez, vous avez bien mangé. Et pourquoi est-ce que Rami... Bah, elle est triste. Qu'est-ce qui se passe, Rami? Ah, oh, je suis désolée. C'était la pire fête de tous les temps. Ouais, bah écoute, c'était très compliqué hein, avec tout ce monde. Hein. Il faudra bien que je finisse par débloquer les portes, un de ces quatre. Hein. Allez, je voulais que Rami, elle vienne crier des mots interdits. C'est possible? Ah, mais elle l'écrit depuis le canapé, en fait. Oh, c'est trop chou, Bruno et Jocaste qui s'embrassent comme ça. Je pense que tous les deux, c'est vraiment un amour de jeunesse qui a vraiment duré, qui perdure. Ils sont toujours fous amoureux, tous les deux. Et oui. Donc c'est vrai que Michael, il doit avoir cette image de l'amour de ses parents, un amour un peu idéalisé pour lui, en fait. Et c'est un peu ce à quoi il aspire. On va voir si avec Cecilia... Bah, ça se concrétise. Mais je crois qu'elle lui aurait proposé de venir passer un week-end en ville. Donc peut-être qu'on pourra suivre ça prochainement. Bon, mais je pense que je vais peut-être finir par débloquer les portes quand même, les pauvres. On va ouvrir tout ça. Ça va être le moment de nettoyer. Je vois bien Thomas ivre mort. C'est dommage qu'on n'ait pas cette possibilité, en fait. Et du coup, je le verrais bien aller s'écrouler sur son lit, en fait. Oh, j'ai l'impression que Rachida, elle est toute tristoune. Essaye encore. Vous pouvez venir danser un slow, réessaye. Avec Raoul, je veux pas que tu restes sur un échec, ce serait dommage. Ça marche pas. Hein. Bon, ils sont tous l'ami de cadeau de tout le monde, là, ce soir. Ah si, ils vont danser un petit slow quand même, allez. Et je pense que Hugo et Michael vont rester nettoyés. Ah non, il y a Jocaste qui nettoie un petit peu. Mais en tout cas, elle va avoir de l'aide, Rami. Elle est toute tristoune. Je pense qu'elle sent que sa relation avec Thomas touche à sa fin. Elle est blessée. Et donc, lui, très clairement, vous savez quoi? Il va avoir un dernier mot, même s'il est enjôleur. Et vous savez quoi? Il a envie de faire un bébé avec Rami. Mais non, il ne va pas s'excuser, ni trouver un terrain d'entente. Ils vont encore se disputer, méchant, énervé. Il va l'énerver, tout simplement.
Ah, et t'avais envie d'aller aux toilettes, mais tu vas énerver Rami, comme d'habitude. Et je pense que Hugo et Michael, ils vont tout nettoyer. Allez, allez, tu vas vider la poubelle, vider. Rachida, elle voit ça, sa mère qui se dispute avec son beau-père. Bon, c'est pas une fin de soirée des plus heureuses. Heureusement que Michael et Hugo sont là. Je pense que tout le monde va aller dormir et Rami va sûrement faire chambre à part cette fois. Bon, Thomas s'est écroulé sur le lit, comme je l'avais prédit, tout habillé. Après une bonne douche, Rami, elle, s'est installée dans le lit de Maïra et j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas l'intention de rester au château. Enfin, on verra bien. Les invités sont rentrés chez eux. Hugo et Michael étaient les derniers à partir. On va les laisser là. Je pense qu'ils ont bien besoin de repos. On les retrouvera très vite. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.